Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. On est ici à Pochestrum dans un cadre idyllique, incroyable. Donc il fait super beau, le soleil est présent. Aujourd'hui c'est une SP 1500 avec le groupe de Djali. J'ai hâte de vous présenter ça les amis. On part sur 4x400, 4x300, 4x200. J'espère que vous êtes chauds les sportifs. C'est parti. Le rouleau en fait je le fais un peu avant les séances pour délayer vraiment les articulations et puis après aussi pour les courbatures de la veille. Vraiment être délayé sur la séance et puis être, comment dire, plus à l'aise sur la foulée et tout ça. Je m'appelle Bérénice, je fais du 1500 mètres et donc moi je m'entraîne à Toulouse et là je suis en stage du coup en Afrique du Sud avec ma team de Toulouse et j'ai pas la chance de pouvoir partager toutes les séances avec eux mais du coup je suis quand même venue ce soir à la séance piste pour les encourager parce qu'on est vraiment une team et je suis super contente de faire partie de leur équipe et dès qu'on peut se soutenir c'est ce qu'on fait donc voilà. Et du coup ça va être des 400 mètres j'imagine allure 1500 et finir plus sur une allure plus rapide que 1500 ou on va rester Non je crois que c'est les 400 mais on peut tout être sur l'allure de 1500, les 300 peut-être un peu plus vite et 200 encore un peu plus vite que l'allure de 1500 pour remettre les points et remettre un peu de vitesse et voilà. Les points sur toute la séance enfin... Je pense que mettre les points sur toute la séance ouais, pour aller vite, les connaissants. Holistique, les points sur toute la séance. Ouais. Toujours pieds nus dans les spikes. Toujours. C'est, j'en s'habitue au style. Les amis, ils ont fait des petites accélérations, ils continuent donc des 100 mètres. Ils sont tous les trois sur la séance, ils vont se relayer si j'ai bien compris. Ils sont en train de parler un peu pour savoir qui c'est qui passe en premier, etc. Il y a un peu de vent sur la ligne opposée, donc je pense que ça va un petit peu les gêner, mais à 3 ça risque d'être mieux. Et là, on va vous faire vivre ça au maximum. Let's go! Vous partez pour le premier 400? On voulait les gars. Allez go. Allez go, allez. Attends, Pascal. Pascal. Pascal, on y va. On va y aller. Pascal, ils sont passés en combien au premier 400 pour 58,08. 58,08, ouais. Ok, merci. Allez, les gars. Alors mon prénom, je suis Patrick Ribeiro, entraîneur de bassin justo en trois parties, entraîneur de quelques athlètes internationaux et nationaux. Là je suis ici pour l'encadrement, aider à l'encadrement fédéral. Alors la prise de lactate pour moi, elle est nécessaire pour éviter de faire trop d'erreurs,
quand il y a une filière qui est ciblée, une VMA ou une ESP, elle sert vraiment à cibler vraiment cette filière qui est voulue au début de l'entraînement par le coach. Voilà, pour moi, je m'en sers plutôt comme éviter de faire des erreurs. Au final, si tu mets dans les oreilles, tu l'actives des oreilles, quoi. Tu... Ce qu'il fallait, c'est que du premier bloc au dernier bloc, qu'elle soit un peu similaire, sans accélération. Dès qu'on accélère, on change de filière. Donc dès qu'on change de filière, le lactate, il doit suivre en même temps. Et par exemple, une lactate à 13, ça représente... Alors une lactate à 13, c'est... Alors 13, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça dépend de l'individu. C'est une identité, c'est personnel. Là, on a l'altitude. Quand on est en altitude, on a une filière anaérobie, donc on crée plus de lactate que quand on est en plaine. Mais c'est pour ceux qui sont déjà venus ici, ça peut être un indicateur. C'est-à-dire qu'après, si on revient l'année d'après, moi je compare un peu, je vise un peu par rapport à fond remue, quelque chose près. Fond remue, on est 1600, 1800, là on a 1400, même si fond remue c'est un peu plus compliqué. Mais ça permet de. Le but c'est que le premier bloc soit, par exemple, si elle était à 13, ils finissent à 13 parce que la session c'est sur les 200 mètres. Et ils ont été puisés sur une autre filière qui était plus sur l'anaérobie, donc là c'était normal qu'ils déclenchent plus de lactate. D'accord. Okay. Et s'ils avaient fait une VMA, le lactate était en principe moins haut. Ça permet d'avoir un suivi pour les athlètes et... Ouais, c'est un suivi, puis savoir comment l'organisme il fonctionne, c'est juste un indicateur. Hein. Okay. C'est un paramètre qui est important juste pour surveiller l'évolution de l'entraînement. Le but c'est d'être capable de... faut créer du lactate, mais faut l'utiliser quoi en fait. Bon les amis, là on a eu les 4x400, 4x300, donc on va voir les temps après. Je sais que les 400, le premier 58, donc je pense que ça accélère après. Et 300, je pense en 41, j'imagine. Là, on va assister aux 4x200, les derniers. La nuit commence à tomber, les animaux commencent à arriver. Ça y est, c'est la savane. Allez, allez, allez. Quand les séances commencent, ils avaient ce truc de partir fort au début. Ah ouais. Et c'était solide, tu vois. Encore 15 secondes. Ouais. Et franchement, je prenais un retard, ouais. Tu le rattrapes. Mais tu vois, cette qualité de. Ouais, ouais, c'est genre, de sprinter, tu vois. Ouais. Bon, allez, tu nous ramènes à la maison. Tu pars pour 26-0. Ouais, vas-y, ouais. Attends, tu chutes. Bien de voir un peu d'affaire. Ouais. J'en bois, tu viens demain. Merci beaucoup, les gars. Ouais, je vais. Merci, Pascal. Ah, ok. Combien, Pascal ? Ouais, vous avez. Ça va, rien d'accélérer. C'était où l'ambassade ? Tranquille. Ce qui est bien avec la troupe, c'est qu'on respecte vraiment les trucs comme ça, parce que toujours t'as un abruti qui va te bombarder le dernier, non. Ça sert à rien, je suis à la compète, faut vraiment. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Il a un petit mot sur la séance. C'est très bien passé, pas on a respecté les adieux, on a respecté le thème de la séance, du coup je suis super content parce que les sprinters ils prennent de la vitesse. On s'entraîne intelligemment et je pense que dans ce secteur là c'est important, c'est le secteur lactique. C'est pas facile. Si tu fais un peu n'importe quoi, ça, tu peux mettre plusieurs jours à récupérer. Donc là on a travaillé dans la bonne zone, on va dire. Mais tu pars. Et au niveau des temps, est-ce que tu peux rappeler à peu près? Sur les 400, on les faisait entre 58 et 57. Récupération de 15 à chaque fois. Après on prenait 7 minutes de pause. Ouais. On a fait 4 x 300, 42,
41. Genre, franchement, vous avez entre 42 et 41 de moyenne. Après, vous avez mis plus vite sur ensuite, le deuxième on a repris 7 minutes. Et le premier 100, il était vite. Et on a fait les. Bon, après, bon, il y a des trucs. On a fait 4x200. Et les 200, on les a fait en. De partir on les a tous fait quasiment en, on a fait 26, 1 le premier, après on a fait 25-5, 25-7, 25-5. Bien progressif et vous êtes parti en, on est parti en départ lancé. Départ lancé, ok. Donc voilà, après c'est cool, le plus important c'est l'état d'esprit et le relâchement de la séance. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Oui. Après les chronos, bon, c'est sont intéressants mais c'est pas le plus important. Okay. Franchement, ça va, c'est bien passé ta séance. Ouais, ça va. Bon les amis, je sais pas si on boit beaucoup, donc c'est la fin de la séance. Donc voilà, on a tout eu les temps, c'était une super séance, un super temps. Le vent s'est calmé même à la fin de la séance. Là on a les. On a les oiseaux derrière qui chantent et là ils sont en train de faire la petite récup. Donc les sportifs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager comme d'habitude et à vous abonner. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo ici en Afrique du Sud. Tchuss les amis.